Salut à tous, aujourd'hui lundi 23, petite séance en famille avec Fanny, Juju, Juliette pour faire une séance dans le salon. Voilà, continuez de faire attention à vous, respectez les consignes de sécurité, ne sortez que si vous en avez besoin et un bon courage à tout le corps médical, aides-soignants, infirmiers et les médecins. Alors, pour débuter la séance, nous allons commencer par un petit footing sur place, cours sur place, puis après du tapping. Le tapping, c'est des appuis très très brefs sur le sol en utilisant bien ses bras et on fera un petit saut de chat sur le côté pour égayer un petit peu l'exercice. Mettez bien des chaussures parce que les chaussettes sur le carrelage, c'est très glissant. N'allez pas vous blesser et aller à l'hôpital aux urgences pour rien. Merci à vous, bonne séance. Allez, attention, qu'est-ce qu'il y a, Juju? Ouais, j'ai dit, on est en famille, petite séance en famille. Allez, on va commencer par trottiner sur place. On écoute bien la musique. Normalement, au niveau du son aujourd'hui, ça devrait aller mieux. Merci à tous ceux qui nous suivent. Christian Vogler à Lanzarote, coucou. Anthony à Barcelone. Allez, on trottine. Petra à Oberstdorf. Et tous les copains de Rambouillet. Nina. Nina, Mylène, Christophe. Alors là, ça va être du tapping, très serré, on utilise les mains, un petit saut sur le côté. Allez. Allez, encore sur place, tranquille. Pensez à vos autorisations quand vous sortez, hein. Vous l'imprimez. Respire, c'est bien. 3, 2, 1. Allez, tapping, rapide sur le sol, le talon il touche pas, il fait l'avant du pied, hop, un petit saut de côté, allez, allez. Allez, dernière série à prendre sur les abdos. Le rythme cardiaque qui commence à monter. On s'échauffe. Tes bras, je vais. Utilise tes bras comme support. Juliette, utilise tes bras comme tu dois. Voilà. Allez, dernière, respirez. Hein. Allez,
stop. On place les tapis. On va faire du gainage. Premier exercice, vous le connaissez, on en appuie sur les avant-bras. On regarde entre ses mains, on n'est pas cambré. On est bien à l'horizontale. Deuxième, on sera assis, on ira toucher une fois jambe droite, une fois cheville droite, une fois cheville gauche. 3, 2, 1. Allez, go! Donc les fesses pas trop hautes, Juliette remonte tes fesses, t'es cambrée là, rentre ton ventre. Bien. Et regarde ses mains. Allez, courage! Là, on travaille les lombaires et les abdos. Stop! Allez, deuxième exo, vous le connaissez, on l'a déjà fait dans les séries précédentes. Je suis assis et je viens toucher une fois à droite, une fois à gauche. Mettez-vous profite. Allez, c'est parti! Les omoplates sont décollées. Allonge-toi, Juliette. Allonge-toi, Juliette. Plie tes jambes. Plie tes jambes. Plie tes jambes. Moi, j'arrive pas à chier. Voilà, c'est bien. Les omoplates touchent pas le sol et on alterne une fois à gauche, une fois à droite. Bien joué. Je suis là, Juliette, prends le poids. Tu regardes. 1, 2, 1. Ah, bien, bonne position, Juju. Vanille aussi, baisse pas la tête, mets ta tête dans le sol. Rentre ton ventre, Juju. Rentre le ventre, ça serre les abdos. 3, 2, 1, allez, on reprend. Juliette, tu t'allonges là. Je suis allongé, je plie mes jambes. Voilà. 3, 2, allonge-toi. Allonge-toi. Et on y va. Allez. On fait des petits courants d'air dans le salon parce que la température commence à monter. C'est pas grave, ça bouge, je vais aller. On décolle que ces omoplates. Allez, gainage. 3, 2, 1. Remonte tes fesses, Juliette. Prends ton ventre. Bien allongé sur le dos, bassin en rétroversion. Il y a tout le bas du dos qui touche le sol. Allez, on ne doit pas se cambrer. Alors, dernier. 3, 2, 1. C'est bien, là, je suis super position. Allez, on s'accroche. Merci pour retour avec les photos, le travail, les petites vidéos en famille quand vous exercez, vous faites les exos, c'est sympa. Allez, dernière. Attention, aujourd'hui, beaucoup d'abdos, mais en salon, on ne peut pas bouger. Je pense à ceux qui sont sur leur terrasse. Allez, c'est parti! Soufflez pendant l'effort. C'est-à-dire, quand je vais chercher ma cheville, je souffle. Pour que ce soit plus facile, on peut faire main droite puis main gauche. On ne va pas faire les deux mains sur la même jambe. Pour le prochain. Donc un peu difficile, on met les mains sous ses fesses pour avoir le bassin vraiment en rétroversion et on va faire des tout petits mouvements de jambes comme ça. Si c'est trop dur, vous pliez les jambes et vous pédalez. Donc niveau facile, je pédale, Juliette tu regardes, je plie les jambes et je pédale. Niveau plus difficile, les jambes sont tendues. Allez. Allez, on s'accroche, ça brûle sur les abdos.
Stop. On suit là maintenant des petits rameurs, tout petits. Là, je suis assis, le bassin en rétroversion, je tends les jambes et je ramène. N'allez pas jusqu'au bout, ça fait mal. Il y a 4 fois 30 secondes à tenir. Faut le gérer. Bien joué. Allez, première série terminée. Donc mettez bien les mains sous les fesses. Moi je bloque avec mes pouces. Allez, des petits ciseaux. Descends, Juliette. Descends ton buste. Voilà, tu pédales. On peut pédaler pour que ce soit plus facile. Un peu de rameur. Voilà, on est assis. Faites la petite amplitude. On n'a plus le droit d'aller en mer. Le droit d'aller pêcher. Ou faire de l'apnée. Du plage. Allez, on s'accroche. Comme ça, on appuie sur mes coudes, j'appuie sur mes coudes et je viens bloquer mes fesses. N'hésite pas à faire du vélo là, n'hésitez pas à pédaler. Pédale, voilà. Pousse sur la pédale. Arrête si c'est trop difficile, je te fais pas mal au dos. Tu fais une pause. Allez. Tu refais la dernière série. Non, c'est la dernière. 3, 2, 1. Allez, on pédale, n'hésitez pas. Sinon, petit battement jambes tendues. Avec le sourire, ça brûle au niveau des abdos, vous serez content après. Allez, les collègues de Dourdan. Allez, dernier rameur. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Bravo, ça brûle bien. Allez, un peu de cuisse maintenant. Cuisse, puis après les mollets. Donc les squats, je rappelle, je souffle quand je remonte. Je garde le dos bien droit, bien à plat. Ne descendez pas le bassin plus que les genoux. Vous allez vous faire mal. Et après, on sera sur des mollets. En travaillant aussi un peu les épaules, les deltoïdes. Allez, c'est parti. Tu descends trop, Juliette. Stop. Tu descends trop. Top. Le risque si on descend trop, c'est se faire mal aux genoux et aussi possible au dos. Bravo. Donc là, on monte sur les pointes de pied et on fait des petits moulinets avec ses bras pour travailler les épaules. Tirez vos omoplates quand vous travaillez. Vous pouvez garder un tout petit temps d'isométrie quand vous êtes en haut. On peut faire des cercles dans l'autre sens, hein. Une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Allez, les squats. 3, 2, 1. Ouvrez les fenêtres chez vous, hein, pour la ventilation.
Bravo. Donc les omoplates bien serrées, si vous êtes tourné dans un sens, faites des tours dans l'autre. Allez, de face maintenant. Allez. Vous bloquez une seconde à peine sur les pointes de pied. Et on redescend. Monte plus, Juju, comme on danse. Allez. Voilà, et tu redescends. Bravo. Allez, petite pause pour Juju. 3, 2, 1. Allez, c'est parti, on y va en rythme. Regardez la synchro. Allez, on s'accroche. Maintenant, les petits moulinets, on va mettre les paumes de la main vers le ciel pour changer un petit peu. 3, 2, 1. Allez. Serrez vos omoplates. On travaille les solaires, le solaire et les jumeaux. Ça, c'est pour les bacs. Passe muscu. Allez, squat, pied légèrement en canard, hein. On n'hésite pas à écarter un petit peu les jambes, ça ne doit pas faire mal aux genoux. Hein. Allez, en rythme, pareil. On va perdre le rythme. Allez, dernier, yes. Juste tu fais. Allez, les mollets, c'est pas très difficile. Allez, c'est la dernière, après on dira au revoir. Paume de la main vers le ciel. On monte et on redescend. On laisse un tout petit temps en l'air. Allez, il y a Valentine de la danse classique qui va te regarder. Hein, faire ta séance. Hein. Bras à l'horizontale, vertébrale. Non, plus petit les mouvements. Merci à vous, à la semaine prochaine, à demain, pardon, bon courage à vous, ça me change de faire à l'intérieur. Et merci à vous pour tous les messages, étirement donc des mollets, si vous avez un point d'appui, moi j'ai la cheminée, les mollets on va les étirer comme ça, une fois l'un, une fois l'autre, on peut faire comme Fanny sur une fente, non je vais être fait, sur une fente avant je viens, je descends, vas-y je vais être fait les étirements des mollets. Non, jambes tendues, je viens tirer derrière, voilà, là c'est ici que ça vient tirer, sur le mollet, et les quadriceps, on les a déjà vus, je prends, les deux genoux sont collés, le ventre est rentré, et je tire. Pour ce qui est abdominaux et tout, on l'a vu, je vous le remonte pour ceux qui prennent la chaîne en cours de route, les mains loin devant, et je viens mettre mes fesses sur les talons, je rentre la tête pour les abdos, voilà. Merci à vous et à demain.